Mais comment ça, ça se fait pas? Terence Malick, tu crois qu'il est déjà allé chercher un prix? Prétentieux comme remarque. Et puis on parle pas d'une remise de prix, mais d'un vernissage, c'est complètement différent. C'est pas que j'ai pas envie qu'on me lèche le cul pendant 3 heures, hein. C'est toujours agréable, on va pas le nier. Mais tu vois là, j'arrive pas à me projeter. Mais de quoi, au vernissage? Non, dans l'avenir, je suis dans une période trou, je sais même pas sur quoi je vais bosser. Mais attends, mais t'as même pas exposé tes dernières toiles, là. Faut que j'avance, tu comprends? Moi, mon métier me permet pas de me laisser aller. Toi, quand tu rentres chez toi le soir, bah, t'as fini ta journée, pas moi. C'est une démarche constante. Épargne-moi ça, s'il te plaît. Ah, attends, double appel. Ah, c'est Alain, il est en panique le pauvre. Mais bien sûr qu'il est en panique. Organiser un vernissage sans l'artiste, avoue que c'est quand même une première. Écoute, s'il veut que je l'en fasse d'autres, il me fout la paix. Je compte sur toi pour l'expliquer. Je te rappelle. De la lumière de nos créations à l'obscurité des nuits solitaires, toujours ce même cycle, le cycle infini de l'être créateur. J'ai eu envie de revenir là où j'avais grandi. Et puis je suis tombé sur elle, une amie d'enfance. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pas l'air d'entrer. Tu viens plus jamais. Et j'ai lu partout dans la presse que tu exposais en ce moment. Ouais, c'est vrai, mais j'avais besoin de revenir. C'est con, mais parfois ça me manque. Et toi? Je profite du soleil. Je t'emmène à l'atelier. Je me suis dit qu'il fallait qu'elle vienne avec moi. Ce souvenir avait provoqué quelque chose de nouveau et je sentais que ça allait me faire du bien. Je me sentais mieux. Elle me demandait pourquoi on faisait ça. Elle trouvait ça long. Mais elle se doutait pas que grâce à elle, j'allais pouvoir souffler. Et que cette petite boule au ventre disparaissait. Mais à chaque fois, je fais le même bilan. Je termine un truc. Alors je crois que c'est bon, et que tout va bien. Mais le soulagement ne dure qu'un temps. Thank you.
Cette fois, j'ai eu besoin de faire table rase du passé. Tout détruire pour tout recommencer. Je vais bientôt devoir trouver une nouvelle perspective. Ou une nouvelle issue. Ça dépendra de mon humeur. Il n'y a pas de règle dans l'art. Je crois que c'est fini. Mais finalement, ça recommence.